If I can do it, you can do it. Hello good people. Hello. Hello Jérémy. Hello. Vous arrivez juste pour le dressage du dessert de la semaine là. Oui. Alors ici on a un petit ragoût de poire. Oui. Williams. Deux en même temps. Oui, deux en même temps. Ah. Un petit ragoût de poire Williams, voilà, comme ça. Avec un jus légèrement lié avec du sucre à confiture. Oui. Je vais faire une petite rosace. On va mettre un bouquet de fruits dessus. Ici, on est en live. Hein. Oh, c'est du concret. Ici, on va faire notre petit éventail en pommes. Comme c'est magnifique. Et une. Et deux. Et de deux. Donc un éventail, des évents. Tôt. Taille. Taille. Voilà. Ah. C'était quoi ce cri? Le petit cri. C'est pas moi. Ah mais Sabrina nous a rejoint. Voilà. C'est ma petite garniture. Petite rosace, voilà. Une touche de finesse dans ce monde de rue. Très joli. Ici, j'ai ma crème mascarpone mélangée à de la chantilly et avec un peu de sirop vanille. Oui. Et je remplis mon fameux cannelloni. Donc, on l'a vu en été et on le retrouve en automne. Indémodable. Exactement. Parce qu'en automne, on en fait des tonnes. Merci. C'est bien. Ça suit. Ah oui, je suis. Donc là, on met nos petits cannelloni. Pour ceux qui veulent savoir comment ça se fait, il y a la recette sur Ajaroc. Hein. Il y a toutes les recettes. Presque. Et voilà, mon deuxième cannelloni. Tac. Le ballon. Voilà. Auparavant, j'ai fait mes petites. Mes petites feuilles de décoration. Hein. Je peux encore mettre des petits points. Tout dans la finesse. Comme d'habitude. Et pour finir, je vais déposer une boule de glace pistache. Ah, il y a tellement de pistaches. Il y a tellement de pistaches qu'on voit plus la boule. Hein, hein, hein. Message à ceux qui vendent des glaces avec trois pistaches. Et on envoie. C'est parti. Ciao.